Ni hao, Wanling sur la chaîne Whale Astro Reaction. On se retrouve aujourd'hui pour une réaction au toujours génial 3 Shenyu. Que voici. Ah, franchement, c'est de la balle, mec. C'est vrai que c'est de la balle. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas plus 3 Shenyu, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec sa chaîne YouTube qui sera aussi remise en dessous, dans le premier lien. Voilà, et le deuxième lien, c'est la chanson sur laquelle je vais réagir. Alors, c'est Conversation avec les enfants de Mars. Alors, la vidéo dure plus de 10 minutes. Alors, la personne qui me l'a conseillé, c'est Céline sur le Patreon. Elle m'a dit, commence-le à 4:40 parce qu'il parle avant. Et effectivement, j'ai écouté les 4 minutes 40 avant. Donc, effectivement, elle avait écrit une chanson depuis le début de Superboy. Il avait écrit une chanson, pas pour juste remercier, vous savez, les fans, parce que pour lui, les fans et lui font une seule entité, vraiment une seule personne, il y a un soutien mutuel entre eux. Et donc, il avait écrit une chanson, qui, je ne me rappelle plus le titre, ça y est, le titre m'a échappé. Mais il a écrit une seconde chanson qui s'appelle « Conversation avec les enfants de Mars ». Alors, les enfants de Mars, ça peut être qui, comme il dit, ça peut être eux comme lui. Et c'est une conversation avec eux, parce que c'est une seule entité. Et comme il dit, c'est un soutien mutuel. Et c'est exactement ça. Il veut écrire ses colères, ses peines, ses joies. Et voilà. Et donc, une chanson où tout le monde peut la chanter. Voilà. C'est pas écrire une chanson juste pour remercier. Voilà. Voilà. Faut que les fans puissent la chanter aussi. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous allez apprécier. Donc, sur le deuxième lien, en cas où ça soit bloqué, n'hésitez pas, vous aurez le lien de la vidéo totale, les 10 minutes avec son explication à lui. Voilà, sinon dans le troisième lien, n'hésitez pas à y aller, cliquez et vous aurez la playlist des titres de 3 Shenyu sur la chaîne. Il y en a plutôt pas mal, c'est vraiment très intéressant. Donc on est parti, je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite pour mon avis sur ce titre, Conversation avec les enfants de Mars. Conversation with Children of Mars. 3 Shenyu, on est parti!我看着爱笑却还有些失落和悲伤 却还有些退缩和逃避 那些退缩那些逃避 请你别在意 我看着努力 却还有些拒绝和懒惰 坚强 却还有些脆弱和疑惑
坚持，却还有些放弃。却还有些害怕和怯懦，n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Pourquoi autant de larmes de ma part? Tout simplement, j'ai ressenti tellement, tellement d'amour. C'est un truc de fou. J'ai pris tout cet amour en pleine figure des deux côtés. Mais surtout de la part du public, un amour de fou pour lui, c'est dingue. Les gens ont chanté, mais vraiment. Ah oui, franchement, ça m'a touché. Franchement, là, merci Roa Chenyu pour cette incroyable chanson que
Vous avez chanté tous ensemble et c'était un réel bonheur. Merci beaucoup. Waouh, ça m'a vraiment touché. J'ai ressenti énormément d'amour. Franchement, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pouf, on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve demain sans faute pour les deux prochaines vidéos. Je vous aime vraiment très fort. À demain. 我看着坚持，却还有些放弃和冷漠。那些放弃，那些的我要和你自己。我看着勇敢，却还有些害怕和怯懦。 那些光。